Salut à toutes et à tous, c'est Arthur, j'espère que vous allez bien, véritable plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour la deuxième étape de la Coupe du Monde qui va se dérouler à Tioumen en Russie. Attention, il va faire très froid, ça va être terrible et pour l'instant, on a fait une première épreuve de Coupe du Monde assez médiocre en Biélorussie. On termine sixième sur le général, le sprint on a été huitième, la poursuite on a été cinquième, l'individuel on a été septième. On aurait pu faire beaucoup mieux. Il va falloir dès aujourd'hui montrer peut-être qu'on va aller chercher des médailles en individuel, mais aussi il y aura un relais aujourd'hui puisqu'on va disputer un sprint, une poursuite et un relais. Peut-être une première médaille d'or, la première qui nous libérerait de la pression. Let's go, la Russie, Frostenon, JC, tu en penses quoi, JC? Qu'est-ce que tu... Ah oui, c'est vrai, JC, il l'a pas dit. Bien sûr, le pouce bleu, comme d'habitude, pour aider au fartage et l'abonnement si c'est pas déjà fait, mais j'imagine que c'est déjà fait. Attends, j'ai pas dit, il va pas neiger, hein. Il va faire très froid, mais il n'y aura pas de neige. C'est-à-dire que c'est des Hamilton et Vaudeux, JC. D'accord, Hamilton et Vaudeux. Hamilton et Vaudeux. Allez, Hamilton et Vaudeux. Hop là, avec du moins 16, moins 20 sur de la vieille neige. On va essayer de partir parmi les premiers pour respecter vraiment et avoir cette température. Il fait moins 16 au départ. C'est vraiment la limite de nos skis. J'espère qu'il fera toujours moins 16 quand on va partir. Moins 17, c'est encore mieux. Et c'est parti, mon kiki. 3 tours, seulement 2 tirs. Il va falloir être très bon pour essayer de bien se passer, on a dit. Hein. Faut être solide maintenant sur les tirs, faut être solide sur les skis, faut être solide partout pour espérer des podiums vu la qualité des adversaires. C'est obligatoire. Allez, on est parti. Ouais, on va mettre. Écoute, je vais consommer beaucoup d'influx. Hein. Tant pis, on va essayer de vraiment tout mettre. Pour l'instant, on n'a pas de temps de référence des meilleurs, Samuelson et compagnie. Il y a le premier gros mur ici. Ah, c'est ici qu'on va sprinter, hein, je pense. Hop là. Allez, on y va. On va consommer du sprint ici, quasiment un tiers, ça peut être pas mal. Hop, on y va. Ah oui, je la reconnais bien cette piste. Oh, je la reconnais bien cette piste. Oui, je la reconnais. Je la reconnais. C'est la piste où le pas de tir numéro 1 s'est truqué, les gars. Je vous le dis, je le sais. Il fait moins 18, on a le boost, en tout cas on est bien. Allez, la descente, on va prendre un temps de passage. Moins 1-1, on est plutôt bien. Ici, et il y a la grande montée into. Voilà, on se met ici. Alors, on va consommer. C'est pas grave, je vais prendre beaucoup de risques. Il faut à un moment donné, pour y aller fort, prendre beaucoup de risques. On arrive sur le pas de tir. Je vais essayer de redescendre un petit peu le rythme cardiaque à 188, 190. On a pris beaucoup de risques. Hein. Ouais, on est très très fort. On y allait très très fort sur la dernière montée. On aurait peut-être pas dû autant. Allez, c'est pas grave. Premier tir de la journée, le plus stressant. Tir couché. On n'est pas au pas de tir numéro 1. Logiquement, ça va aller. J'ai le temps de prendre un café crème. Le temps de tirer, ça a été si long. Mais je n'ai pas voulu faire d'erreur. Alors oui, on a perdu beaucoup de temps, hein. On a perdu beaucoup de temps. Mais on ne fait pas d'erreur trop. 2 secondes 5, c'est beaucoup, hein. C'est beaucoup sur ce tir. Mais on ne fait pas d'erreur. On prend pas de risque. On n'a pas envie aujourd'hui de se mettre dans la sauce. Attention à ne pas se prendre un boudin sur le côté. J'aurais pu tirer plus vite. Mais c'est vrai que j'ai du mal là sur les tirs. Déjà lors de la première épreuve de Coupe du Monde, on remettra peut-être quelques points là-dedans parce que j'espère qu'on va pas souffrir sur toutes les épreuves de Coupe du Monde comme je souffle là vraiment sur le tien. Je suis pas à l'aise, alors est-ce qu'il faut peut-être que je baisse la sensibilité de la souris? C'est possible. Allez, on va reprendre du sprint ici pour essayer de pas perdre trop de temps, pas non plus griller tout le sprint. Et c'est parti. Allez, on y va. Allez. Oh, y a du monde, hein. Y a du monde ici quand même. Allez, on y va, on va reprendre un petit coup de... Voilà, le petit coup de bâton. Et on y va. Faire un petit peu de temps sur les meilleurs. Hein. Backen qui est quasiment intouchable. 2 secondes 3 devant Tchekov, comme par hasard, à domicile. Moins 18, on a toujours le boost de ski JC, c'est incroyable ce que tu nous as proposé. Ouais, c'est après, j'avais mis beaucoup aussi de... Essayer de se reposer dès ici, de pas, voilà, de redescendre en pression. C'est le tir debout, je sais que c'est là où je suis le plus mauvais, où on est nul. C'est maintenant, faut s'appliquer. Allez, tir debout. Oh, on a le pas de tir numéro 1. Oh non. Pas le pas de tir numéro 1. Oh, c'est incroyable! Le tir est rapide, le tir est précis, le fin, tireur occitan. Magnifique! Sublime. Alors Backen a tiré encore probablement plus vite que nous. Ah, il a tiré
tellement vite, 4 secondes 9. Mais c'est déjà très très bien, 4 secondes 9 c'est propre. Tchekov est à 5 secondes 1. Allez, faut tout donner maintenant, il n'y a plus de tir. On n'a pas fait d'erreur, dans tous les cas, on sera qualifié pour la poursuite. Allez, je mets un petit peu de sprint ici pour vraiment essayer de récupérer. Ouais, on est pas mal, hein. On est vraiment pas mal. Allez, 5 secondes 8, 5 secondes 8, on est toujours deuxième. Et Tchekov qui avait fait un très bon temps. Et du coup, attention, il fait moins 16 degrés, on a quasiment plus... le petit bonus ici. Allez, on reprend. On y va. Hop là, le petit sprint vraiment pour se remettre. Et là, on y va. Il faut tout donner. Hein. Il faut tout donner ici. Ne pas perdre un seul instant. Hop. Allez, allez, allez. Aïe, 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 ça va très vite. Hein. Ça va très, très vite devant. Allez, on y va. Je donne tout. La descente moins 17. Ça va. On a récupéré le boost de vitesse. On est bien. Et on va savoir à combien on est. 5 secondes 7. 5 secondes 7, c'est pas mal. C'est propre de Bakken. Il faut rester sur la solidité. Allez, bien prendre cette montée. Allez, allez, allez. Hop là. Allez, allez. Allez, allez. Ici. Et maintenant, il y a le dernier circuit. Le dernier circuit va me rester un petit peu de sprint. On le sait, va me rester un petit peu de sprint. Pour récupérer ici. Je vais me mettre là. Et là maintenant c'est tout droit. Allez, 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 accélère, il veut pas accélérer. Il veut pas accélérer. Il veut pas accélérer. Ça ne marche pas la touche espace. 6 secondes 8, la touche espace ne marchait plus. La touche espace ne marchait plus. Troisième. Quatrième, non. Éjecté du podium. Cinquième même. Mais c'est pas vrai quoi. J'ai l'impression de faire une bonne course. Alors oui, je perds peut-être un petit peu de temps sur le... Ah, sur le tir, mais à ce point-là, oh, c'est terrible. Cinquième, devant Samuelson, Bakken, Beu, Tom Sheen. Et devant nous, ah, il a 9 secondes 9. Hein. Même malgré le sprint, ça n'aurait rien changé. Khalili est derrière nous. Et on prend 5 secondes 4 sur le ski, donc c'est pas trop là. C'est là, on prend 5 secondes 4 sur le tir. Premier tir, je prends 4 secondes 3. Deuxième tir, je suis pas mal, mais 1 seconde 1. Pourtant, j'ai l'impression de tirer vite sur le tir debout. Mon Dieu, que c'est dur. Mais c'est pas grave, il y aura l'épreuve. Very warm snow. On est 6ème de la Coupe du Monde, 150 points, 193 points déjà. Ah, c'est monstrueux. Hein. 193, 200, très compliqué. Hein. Très très compliqué. Very warm snow, JC. Very warm snow. Qu'est-ce que tu me proposes? Des Hamilton à team 1. Ok. Hamilton à team 1. Après, on n'est pas si loin que ça. Hein. Hamilton à team 1. Alors, je rappelle, hein, la poursuite, on part avec le retard qu'on a pris sur le sprint, c'est-à-dire nous 9,9 secondes. Il y a 4 tirs, il y a 5 tours, donc on peut rattraper. Si vraiment on l'a vu, hein. On l'a vu qu'on était pas mal, on a terminé 5ème lors de la dernière épreuve Coupe du Monde. Il faut vraiment être bon. Il faut vraiment être bon. Faut être, voilà, faut pas se tromper, faut être solide sur les appuis. Et c'est parti, mon kiki. On est bon. Allez, let's go. On va pas tout mettre d'entrée, hein. On l'a vu, faut être bien. Pas tout grillé d'entrée. Vraiment se faire mal que lors des montées parce que sinon on va être dans le dur. Justement peut-être ici un petit peu, commencer à mettre un peu de, voilà, un petit peu de coup de bâton. 8 degrés, on est bien en tout cas sur les skis. Hop, la descente. Peut-être prendre un maximum de vitesse ici pour vraiment avoir la reprise le plus tard possible. Et on va consommer un tiers du sprint ici. Voilà, un petit tiers du sprint. Voilà, pas plus que ça. Hop, et on consomme un petit peu pour finir la montée et se mettre dans les meilleures conditions. On est 6ème pour l'instant. Se rapprocher peut-être d'une première médaille, ce serait bien. On voit que les 3 premiers ont beaucoup d'avance et surtout les 3 premiers sont intouchables cette année. Ça va être très dur de prendre des médailles. Ça va être très 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 dur de prendre des médailles cette année. Allez, on s'y met. Position. Il y a Samuelson, Bakken et Beu qui sont... En fait, Samuelson et Bakken sont vraiment au-dessus. Derrière, il y a une place, mais il faut être pas faire d'erreur et être bon, quoi. C'est compliqué, hein. Ah, il nous manque encore un petit peu, je pense, encore un petit peu. Je vais pas accélérer du coup sur ce premier tir, vraiment pour pas me remettre dans le cardio genre à 190, pas taper dedans directement, vraiment arriver serein, tranquille sur le pas de tir. Et espérer que devant ça te choque un peu, il faut un peu de chance aussi au biathlon pour nous avec Samuelson, Beu et Bakken qui prennent pour l'instant le tir. Allez. Premier tir très propre, premier tir rapide, premier tir réussi. Et je vois des erreurs de Samuelson, de Bakken et de Beu qui vont nous permettre de revenir parmi les premiers. Et on est même quasiment, on est en troisième position. On est plutôt bien, hein. on est posé. On va dire qu'on est pas mal, on va dire qu'on est pas mal. On va dire qu'on est pas mal du tout.
Enfin, incroyable, incroyable, ça va aller très vite devant nous. Mais on est placé en tout cas dans le bon wagon. Et devant, ça a fait des erreurs. Ça nous a permis de remonter. Les dés sont relancés. Tout le monde est à quelques secondes maintenant. L'un de l'autre, 3 secondes 8, eh bien, de la tête de la course. Allez, on va s'y mettre comme ça. On va consommer encore un petit tiers de sprint, on le sait. Hop là, et on y va. Hop, le petit tiers de sprint, pas plus. Voilà, et on reprend ici. Nickel, nickel, nickel. C'est pas mal ce qu'on est en train de proposer. Pas mal ce qu'on est en train de proposer. Ah, il me bloque. Oh, monsieur l'arbitre. C'est fou, ça. En 85. Attention à pas se mettre dans le boudin. Et pour l'instant, on est bien. On est sur de la bonne glisse. Non, mais c'est trop aussi. Il a essayé de me couper la route. Et du coup, il m'a ralenti. On va remettre un petit coup de ski. Allez, deuxième tir, s'appliquer, être très bon. On va garder ce rythme-là. Je ne vais pas remettre d'accélération dans la montée ici. On arrive troisième sur le pas de tir. C'est quand même assez incroyable. On va remettre la souris au milieu. Et devant nous, Samuelson. Devant nous, Bakken. Et Tom Sheen qui est devant nous. Allez, on arrive troisième au pas de tir. Tir couché. C'est pas grave, putain, ça s'est joué à pas grand chose. Hein. Ça s'est joué à pas grand chose, mais Beu a fait deux erreurs. Khalili a fait une erreur. Il faut vite faire le tour de pénalité. On va ressortir quand même, à mon avis, dans le peloton maintenant. C'est dur. On a abandonné la médaille d'or, la médaille d'argent, ça c'est sûr. Mais va falloir tout donner. On ressort à la 8ème place, c'est terrible. Ah, c'est terrible. Une erreur, elle te met tellement dans la sauce. C'est si dur. Ah putain! Ah, je suis dégoûté. En plus, c'est terrible parce que on est quand même très solide hein, sur le tir. On est très très solide, mais ça se joue tellement à rien. Alors, on a les 3 devant nous. On a le 5, le 4, le 3, 2, 1. Il reste 2 tirs. Et ici, on va y aller et on va mettre un petit coup de sprint comme on sait le faire. Pas trop non plus. Point trop n'en faut. Et rester solide. 10 secondes 8. 10 secondes 8, ça va, c'est faisable. Hein. C'est faisable, il peut y avoir deux erreurs devant, il peut y avoir des erreurs devant nous. Faut continuer. Ouais, c'est quand même pas cool hein, ce qu'on vient de rater, faut quand même le dire. Ouais, je suis déçu, je suis toujours déçu hein, de faire ces erreurs-là parce que on doit pas le faire. Allez, la belle descente, prend bien l'intérieur, voilà, pour pas perdre de vitesse, être très très bon ici sur les skis. 9 secondes 9. Et on reprend. Hop, je remets pas de rythme. Vraiment, je veux rester serein. Ne pas faire de faute. La faute, elle est minime. Elle est minime, ce qu'on est en train de faire. C'était quasiment que dalle. Allez. On n'a plus le droit à l'erreur, ça c'est sûr. En tout cas, avec Tom Sheen qui est en première position, comme par hasard. Bakken qui fait une erreur. Non, mais c'est trop! Ça bouge trop! Non! Mais c'est trop! Comme par hasard! Tom Sheen ne lui fait pas d'erreur! Oh là 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 là! C'est une catastrophe cette course! Oh, c'est une catastrophe! Oh, c'est une saison là qui va être terrible, compliquée! On va repartir en 12e, 13e position. Et combien on est? On est 12e! 24 secondes 7. C'est terrible! Non mais là j'ai de choc. Non mais c'est de l'énervement en fait. Là vraiment c'est une perte de moyens. Un craquage sous la pression, on peut le dire. Ce sont les termes à utiliser. Deux erreurs qui coûtent très 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 cher. Allez, on se parle. Faut se reconcentrer, chaque point est à gratter. Et ouais, mais putain, c'est terrible ça. Hein. J'ai pas le droit de faire des erreurs comme ça. Allez, on va consommer encore un petit peu de sprint. On s'y remet. Ouais. Non, c'est dur parce que je me concentre, je donne tout. Et la première arme me met au fond parce que j'ai l'impression que je fais pas d'erreur sur le tir. Et c'est ça qui. Après, t'as juste envie de caner quoi. Hein. Juste envie de te jeter dans la neige, de te rouler à poil dans la neige. Hein. C'est ça. Hein. Allez, on repart. 9 degrés, on est bien. Il y aura des erreurs devant. Tom Sheen qui arrive sur le pas de tir. Ah lui Tom Sheen, t'inquiète pas qu'il va pas faire d'erreur du jour. Hein. Lui les trucs elles tombent toutes seules. Hein. Même s'il tire à côté et qu'il tue un passant, la cible tombe. Voilà, Tom Sheen, oh, bah, parfait, un tir parfait.
Andersen, Samuelsson, Bakken derrière. Putain. Allez, c'est parti. Se concentrer sur le tir, être bon, être solide, le tir debout. Voilà, c'est de l'assurance, j'ai assuré, j'aurais dû faire ça dès le deuxième. J'aurais dû faire ça là au troisième tir, j'aurais dû faire ça. C'est pas grave, devant il y a des erreurs et tu rattrapes comme ça. Sur les skis, on n'est pas le meilleur, donc il n'y a aucun intérêt à essayer de se précipiter. Tant pis si je perds 5 secondes au tir. Mais voilà, on va terminer 9ème. C'est pas un super résultat, c'est pas non plus à chier quoi. Mais voilà, c'est sûr que c'est pas ce que j'espérais. Il y aura un relais avec les copains derrière pour peut-être aller chercher la première médaille. Remarque encore que il y a quand même les Russes qui sont très chauds. Ils ont l'air très très chauds chez eux. Et il y a aussi bien sûr les Norvégiens et les Suédois. Ça va être un combat de tous les instants. Mais avec les copains, on peut le faire. Allez, on est parti. La belle descente, si on peut grabiller une ou deux places, on va les prendre bien sûr. Allez, le sprint, on va tout claquer ici. Allez hop, on y va. Ah, ils sont forts hein, quand même, ils sont forts sur les skis. On est 9ème, 8ème maintenant. Allez, tout donner. La maxi vitesse. Allez hop. La position tout chaud, c'est fait 9 degrés, donc on a encore le bonus. Des skis, JC aura fait un sans faute hein, encore une fois aujourd'hui. Prends bien l'intérieur, 24 secondes 8, on prend bien l'intérieur. On est en train de remonter. Allez, on va reprendre ici. Ah, on aura du mal à dépasser. On peut essayer de garder maintenant cette position. Allez, 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 allez. Allez, on passe ici. Ça va se jouer au sprint. Ça va se jouer au sprint. Ça va se jouer au sprint. Là, la touche espace qui marche, 7ème place. 7ème place. En vrai, c'est pas mal. En vrai, c'est pas mal. Quand tu fais 3 erreurs et que tu fais 7ème, tu peux te mordre les doigts parce que, effectivement, franchement, les 13 secondes, on les avait. Il a fait 3 erreurs, Bakken, on les avait. Si on regarde la clean poursuite, on perd 21 secondes. Ski time, on perd 6 secondes 8. Shooting time, je perds 2 secondes 8. On a tiré un peu plus vite, mais on a fait plus d'erreurs. On a fait plus d'erreurs, malheureusement. Total score, on est 5ème, 186 points. C'est pas mal hein, à tenter, c'est pas non plus, voilà, hein, quand on regarde le rating, il y a largement plein de personnes qui sont devant nous, c'est pas très grave. Cold snow, et il va neiger, JC, tu me proposes quoi? Assurance ou pas assurance? Prends des risques? Ah, il veut qu'on prenne des risques apparemment, on va prendre les Rosengull Xeno 1. Ok JC, Rosengull Xeno 1 pour la médaille d'or, Rosengull Xeno 1 pour la médaille d'or. New Snow, moins 4, moins 10, c'est parti. Logiquement, on part toujours en premier lors du relais. Et c'est pas nous qui partons en premier du relais. Oh, c'est assez impressionnant, d'habitude, c'est toujours nous qui partions premier. Mais là, non. Et c'est Quentin Fillon-Maillet qui part devant Serochkov-Kov, Dalle, Basto, Femling, Riss, Giacomel, Tekalenko, Hartweg. Allez, c'est parti, il a pris pas mal d'avance. Là, c'est un tour, enfin, c'est deux tours, un tir. Hein. Donc là, il faut y aller à fond les ballons. Allez, applique-toi, Quentin. C'est ça, mon Quentin! Un blanchiment parfait. 2 secondes 2 sur la Suède. 2 secondes 5 sur les Norvégiens. Allez! Me redonner un petit peu le sourire, là, parce que bah, plus on est fort, plus j'ai moins le droit à l'erreur, je trouve, moi. Et du coup, bah voilà, là, les 3 erreurs qu'on a faites, ça me déboussole un petit peu. Je suis un petit peu déçu. 2 secondes 4. Allez, il va nous donner probablement le relais. Parce qu'il donne le relais, c'est pas pour nous! C'est pas pour nous, on n'est même pas deuxième du relais. Alors est-ce qu'on serait premier du relais? Emilien Jacquelin, Andersen, Nelin, Latipov, Varabey derrière lui, c'est quand même assez paquet. Et il se fait rattraper par Andersen qui est très fort, Andersen. Hein. Allez, allez, on est là, on arrive sur le tir maintenant, il faut être solide. Il s'est fait doubler mais c'est pas grave. Allez mon petit Emilien. Il fait une erreur. Deux erreurs, trois erreurs. Bon c'est bon, c'est terminé. Quatre erreurs. C'est terminé. Bah c'est terminé. Et ben voilà, c'était super. Merci Emilien. Merci beaucoup Emilien. Un véritable clou de clim. Putain mais Emilien. Mais Emilien. C'est pas possible. Ah il dégoûte. Non mais c'est trop, 25 secondes 6 de retard. Et le relais va être pour moi je crois. Allez c'est parti. Le relais pour moi, mais qu'est-ce que tu veux faire? On est 5ème, qu'est-ce que tu veux espérer maintenant? Qu'est-ce que tu veux espérer là-dessus? Je sais pas ce qu'on peut faire. Allez, on y va, on va y aller. De toute façon, on va y aller à fond. Là, c'est
c'est à fond les balles, ça. Là, c'est dès qu'il y a de la montée, je vais être sur le sprint et advienne que pourra. Advienne que pourra. Allez, c'est parti, 25 secondes, 5 de retard au démarrage de la course. 5ème position, essayer de remonter le maximum possible. Allez, on repart. Titiller le sprint quasiment jusqu'en haut maintenant. Avec là sur le faux plat du sprint total jusqu'au bout. On est en train de faire une remontada sur les skis. Je te garantis que je suis en train de pousser à une vitesse. Allez, 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 allez. Allez, allez. Allez, hop, on se met. 25 secondes 5. On va voir le nouveau temps de passage. Et c'est beau devant de 24 secondes 3. On a pris une seconde 2. Mais est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est faisable? Tant pis, je prends tous les risques. Hein. Je prends tous les risques. Tant pis d'arriver avec 400 de BPM sur le pas de tir. Les risques sont pris dans tous les cas. On est loin de la 4ème et de la 3ème place. Donc 24 secondes 3 de retard. On est à 25 secondes 5. On va voir à combien. Et on va passer. Allez, c'est parti. On s'applique. C'est un tireur blanchi, incroyablement précis, magnifique. On va reprendre du temps. Voilà, on a fait un relais de dingue. Hein. On a fait un relais de dingue. 12 secondes 5. 12 secondes 5. On a récupéré 13 secondes sur notre relais. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est un face au meilleur. Hein. C'est ça qui est fou. C'est face au meilleur. Je reprends un petit peu de sprint pour récupérer le boost. Pour faire la montée. Voilà, on y va. Allez, allez. Allez, allez. Allez, on est bien. 12 secondes 8 maintenant. On se met en position touchous. On va grappiller. On se met vraiment à la... Oh non ! Oh non, terrible ! J'allais dire on se met à la limite, mais le boudin qui vient me mettre un énorme stop et qui va nous faire perdre beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Ah oui, on est passé à 10 km/h, vous l'avez vu, c'est terrible. Ah, j'ai pas hâte de voir combien de temps ça nous a fait perdre ça, mais... Oh non ! Ah, c'est dommage, mais quand même, on est quatrième bien, bien implanté. Ah ouais, on va perdre beaucoup de temps là-dessus, c'est une énorme erreur que je viens de commettre. Ah oui, ça nous a fait perdre quasiment une seconde, hein. Une seconde facile. Putain ! Ah, j'ai pris tous les risques. En même temps, il fallait prendre tous les risques. Mais bon, c'était pas là à les prendre maintenant, tu vois. Est-ce que là, j'ai encore un petit peu de boost ? J'ai pas de boost, du coup, je l'ai mis et c'est pas bon. Allez, on y va, tout droit maintenant. On est quand même à portée de tir. On est quand même à portée de tir de certains s'ils font une faute, que ce soit la Norvège, les Russes ou les Suisses, hein, pas les Suisses. C'est parti. Allez, mon petit. 13 secondes 3. On a récupéré quand même 12 secondes sur le relais. C'est parti, mon petit. Je crois que c'est Simon Dessieux qui est en train de travailler sur Finello. Allez, mon petit. Allez, mon petit. Pour la France, pour le beau jeu, pour l'histoire. Tout donner, tout donner. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Qu'est-ce qu'il va nous faire? Ok, on arrive sur le pas de tir. Bakken et Jay Bakken. Deux tirs réussis. Pas d'erreur pour l'instant pour Bakken. Pas d'erreur pour Bakken. Pas d'erreur pour Bakken. Chekhov. Une erreur pour Finello. Deux erreurs pour Finello. Trois erreurs pour Finello. Quatre erreurs pour Finello. Une erreur pour Destu. C'est pas possible. Mais non. Mais non. Allez, mon petit! Non, mais c'est pas possible! C'est pas possible! C'est pas possible! Simon Destieux qui s'en va! Simon Destieux qui s'en va en quatrième position! Juste derrière les Allemands! Ça va se jouer maintenant à la course! Il reste très peu! Est-ce qu'il pourra rattraper? Ouais, mais Navrat, il est intouchable hein, sur les skis, il est intouchable! Ah ouais, mais t'as mis. Mec, il a fait deux erreurs! Ah, allez, allez, Simon! Ah non, il a perdu 0-7, 0-7, 0-7! Ah, c'est terrible! C'est terrible! On va terminer à 4ème place. Oh là là. Pas de médaille. Toujours aucune médaille. Broucouille depuis le début de la saison. Ski time. On est 3ème. Shooting time. 17 secondes. Quentin Fillon-Maillet, c'est propre. Ah non, on était bien. Shooting time. On a été combien avec 3? 2 secondes. 1. 2 secondes 1. On est 4ème, 2 secondes 1. Il perd 17 secondes, il perd 12 secondes. Oui, mais voilà, avec la France, c'est trop facile. Nul!
Nul les Français, nul. Eh bien, c'est pas grave. On se retrouvera demain 11h pour de nouveau un relais. Sprint, Mastart. Ah, il n'y a pas de relais. Il y a Sprint, Mastart. Ok, Mastart, ce qui est bien, c'est qu'on est bien classé quand même. On est 5e, donc on partira très tôt de la Mastart. Et le sprint, bien sûr. Et le relais, je vous dis à demain 11h pour la 3e étape déjà de la Coupe du Monde et la moitié de la saison. Pas de médaille. Une 5e place pour l'instant timide, mais pas de surperformance. Il faudrait commencer à prendre des médailles. Pourquoi pas chez nos amis canadiens à Canmore, bien sûr, une fois. Pas du tout, ça c'est un accent belge. Je m'en vais, à demain 11h pour le Canada.